Un père en colère accuse la justice française de couvrir les tueurs de sa fille. Ma femme et moi avons été bouleversés et indignés par l'annonce de la libération d'Éric Rubic. Éric Rubic a été condamné à 5 ans de prison ferme, beaucoup moins qu'il le méritait vu la gravité de son crime. Le 16 septembre 2011, il a écrasé et tué notre fille Lise Etouni sur un passage clouté à Tel Aviv. Il était ivre, il conduisait à une vitesse démesurée et avec une imprudence totale. Il a abandonné Lise saignante à mort sur la route sans lui porter secours. Il a lâchement quitté Israël à la hâte pour se mettre à l'abri en France. Chère madame, cher monsieur, lorsque j'ai entendu le témoignage de monsieur Zetouni, j'ai su d'emblée que je ne pourrais pas me taire. Mettez-vous à sa place. Imaginez que votre fille sorte au petit matin pour aller au travail. Il est 6h45. Son avenir est tout tracé, elle a toute une vie devant elle. 20 minutes plus tard, vous recevez un coup de téléphone, les pompiers. Il est arrivé un malheur. Votre fille a été renversée sur le passage piéton par un chauffard. Le choc a été très violent. Elle a été projetée à plusieurs mètres. Votre fille se meurt. Les secours ne peuvent rien faire pour la sauver. L'homme qui vient de briser votre vie et de tuer votre fille, c'est lui. Il sortait sous d'une soirée très arrosée qui a fini dans une maison de passe. Il a grillé le feu rouge. Il roulait à plus de 100 km/h sur une route limitée à 50, tout en reconnaissant publiquement qu'il faisait l'idiot avec son 4x4 BMW rutilant. Vous apprendrez par la suite que ce chauffard fuyait la justice française, qu'il avait déjà condamné à 6 reprises pour des faits d'escroquerie en bande organisée. Cet homme a laissé votre fille se vider de son sang sur la route. Il s'est précipité chez lui pour se préparer à quitter le pays. Il s'est rasé le crâne pour passer la douane sans être remarqué. Puis il a sauté dans le premier avion pour la France via la Suisse. Pire encore, il a tenté de faire endosser les faits aux passagers de la voiture en lui promettant 500 000 euros contre son silence. Comment réagiriez-vous? S'il vous plaît, posez-vous la question. Car ces faits se sont vraiment passés. C'est le cauchemar vécu par la famille Zetouni le 16 septembre 2011. Cette vidéo n'a pas pour but de vous raconter leurs souffrances ou de vous demander de les plaindre. Ce n'est pas la mort de Lise Etouni, pourtant déjà si dramatique, qui nous pousse à diffuser cet appel. Car vous n'avez encore rien vu. C'est le traitement judiciaire qui a mené à l'injustice la plus totale. Nous nous sommes donc fiés à la promesse que la France jugera sévèrement ces deux escrocs et les châtiera conformément à leurs crimes. C'est ainsi que le 3 décembre 2014, Éric Rubic a été condamné à 50 prisons fermes. Une peine satisfaisante vis-à-vis des peines habituellement décernées par la justice pour ce type d'affaires. Mais avouons-le, cela reste une peine bien trop légère au regard des faits. Bien que le crime commis soit flagrant, la peine infligée à Éric Rubic en décembre 2014 est de loin inférieure au maximum possible, selon la loi française. Si nous récapitulons, premièrement, Éric Rubic a commis un accident mortel en sortant de soirée ivre au volant de sa voiture. Deuxièmement, il s'est enfui et a laissé Lise Etouni se vider de son sang sur la route. Il n'a même pas prévenu les secours. Troisièmement, il a fui le pays en prenant soin de changer son apparence pour ne pas être arrêté par la douane à l'aéroport. Quatrièmement, il a tenté de faire porter le chapeau aux passagers de la voiture contre une promesse de 500 000 euros qu'il n'a même pas tenue. Trouvez-vous que 5 ans de prison ferme soit une peine à la hauteur de cette horreur? Pas pour le père de la jeune victime. Pourtant, M. Zetouni décide que sa famille a assez souffert de la mort de sa fille. Il ne s'acharne pas. Il ne fait pas appel de la décision et espère que les 5 courtes années de prison feront méditer Éric Rubic sur la gravité de ses actes. Hélas, c'était sans compter sur les aberrations de notre système judiciaire. Le pire restait encore à venir. Il est inconcevable de savoir que Éric est aujourd'hui un homme libre. La libération d'Éric est comme un coup de poing totalement inattendu. Un coup qui provoque la colère et crée une double douleur. Non seulement la douleur constante provoquée par la mort absurde de Lee, mais aussi la douleur de voir que ce criminel reprend une vie libre et normale. En effet, alors même que la peine était déjà bien faible pour de tels actes, un juge d'application des peines a décidé de libérer Éric Rubic le 3 mars dernier. Il n'a passé qu'1 an et 3 mois en prison.
Nous nous sentons trahis. La justice française, qui avait promis, décide elle-même de le libérer pour des raisons que nous ne comprenons pas. C'est inacceptable. C'est une atteinte à la justice humaine la plus élémentaire. Cette libération anticipée rend le procès de décembre 2014 absurde et les juges ridicules, tandis que nous, les victimes, eh bien, on a pitié pour avoir été confiance à la justice. Nous avions naïvement cru que la justice sera rendue et que les criminels seront punis pour leurs crimes. La décision de libérer le coupable a été prise sans nous demander notre avis, sans prendre en considération nos sentiments et sans même nous informer du fait qu'une décision a été prise. Vous devez le savoir, la partie civile, c'est-à-dire les victimes, n'a pas été consultée. La famille Zetouni s'est retrouvée devant le fait accompli. Pire encore, le juge d'application des peines a refusé de rencontrer l'avocat des victimes, a refusé de donner toute explication, a refusé même de délivrer une copie de la décision de remise en liberté. Chère madame, cher monsieur, cette affaire n'est pas seulement un drame, c'est un véritable scandale judiciaire qui montre le niveau d'injustice qui règne dans notre pays. Mais au juste, pourquoi le tueur de Lise Etouni a-t-il été libéré ? Constater que l'assassin de Lise est libéré pour bonne conduite nous est insupportable. Le ministère de la Justice, qui est censé défendre les citoyens honnêtes, est-il à ce point insensible et indifférent ? C'en était trop. C'est pourquoi la famille Etouni a décidé de se joindre à l'Institut pour la Justice pour dénoncer ce scandale. L'Institut pour la Justice est une association indépendante qui regroupe des juristes, des victimes et des citoyens qui œuvrent pour réformer la justice, et ainsi mieux protéger les victimes et la société face aux délinquants. Ensemble, nous lançons une pétition pour demander la suppression du système de réduction automatique des peines. L'application réelle des peines est nécessaire pour notre sécurité à tous, mais aussi pour les victimes, qui doivent retrouver la place qu'elles méritent. De fait, il est anormal qu'un délinquant condamné à 5 ans de prison ferme ressorte libre au bout d'un an et 3 mois. Cela signifie qu'il n'a même pas fait un tiers de sa peine. L'affaire Zetouni illustre un dysfonctionnement extrême de la justice. En pratique, un détenu peut demander une libération conditionnelle une fois qu'il a effectué un peu plus du tiers de sa peine, lorsqu'il bénéficie de tous ses crédits de réduction de peine. Cela signifie que dans le cas de cet individu, même ce délai dérisoire n'a pas été respecté. Je vous laisse imaginer la violence d'une telle libération anticipée pour bonne conduite pour des parents endeuillés. À notre grande déception, nous découvrons le mépris et le dédain de la justice française à notre égard. Nous sommes profondément humiliés. Depuis la fin du procès à Paris, nous essayons de refaire notre vie sans penser à ceux qui nous ont ruiné la vie et notre famille. Chère madame, cher monsieur, je me le demande. Quelle serait votre réaction si cette situation vous arrivait ? Accepteriez-vous d'être malmené de la sorte par la justice ? Évidemment non. Alors, s'il vous plaît, signez d'urgence cette pétition en cliquant sur le bouton ci-dessous. Et si vous l'avez déjà signée, merci de transférer ce message à tous vos contacts. Dans une telle situation, vous pourriez être certain que le gouvernement français ferait un scandale diplomatique. Et il aurait bien raison. Pourtant, lorsqu'un citoyen français commet des actes aussi atroces dans un pays étranger, la justice française semble bien complaisante. Deux poids, deux mesures ? Est-ce l'image que vous et moi voulons donner de la France ? Celle d'un pays qui n'applique pas la justice la plus élémentaire et qui relâche un malfrat condamné à 5 ans de prison ferme au bout d'un an et 3 mois ? C'est un message univoque de la justice française. Elle ne veut pas vraiment régler ses comptes avec ses citoyens coupables de délits graves. C'est pourquoi, je vous le demande, en tant que citoyen responsable, signez maintenant cette pétition pour qu'ensemble, nous puissions rétablir la justice. Il ne tient qu'à nous d'agir. Signer cette pétition ne vous prendra qu'une minute. Mais si nous sommes des centaines de milliers à nous révolter contre ce scandale judiciaire, nous pourrons faire en sorte que cela ne se reproduise plus jamais. La libération d'Éric. Le 3 mars 2016, après avoir enduré 15/5 de la peine infligée en décembre 2014, fait de ce procès une farce. Une grande farce qui provoque un rire amer et douloureux. S'il vous plaît, signez notre pétition et transférez-la au plus vite à votre entourage. Envoyez-la par email à vos contacts. Affichez-la sur votre mur Facebook. Relayez-la sur votre compte Twitter.
Il est vital que la justice française protège davantage les victimes et empêche les délinquants de commettre l'irréparable. J'insiste, cet homme en est à sa 7e condamnation. Et pour celle-ci, il y a eu la mort de Lee et sa famille brisée à tout jamais. C'est pourquoi j'ai besoin de votre signature. Il faut que les choses changent. Il faut que la famille de Lee et de toutes les autres victimes anonymes soient soutenues par les Français. Mais vous seul pouvez donner une légitimité démocratique à cette révolte contre l'injustice qui a cours au sein même de nos tribunaux. Vous et moi ne devons rien lâcher. Alors, que faire ? Nous aider à rassembler le plus de citoyens soucieux de la justice prêts à signer la pétition. C'est ainsi que nous pourrons faire pression par rapport de force. Je compte sur vous pour signer tout de suite la pétition en cliquant sur le bouton ci-dessous. Cela ne ramènera pas Lee Zetouni à la vie. Cela n'épongera pas le chagrin de sa famille. Mais si nous pouvons empêcher d'autres familles de vivre un tel scandale, cela en vaut bien la peine. Un grand merci. Laurent Savelle, secrétaire national de l'Institut pour la justice, avec M. Zetouni.